Forum Info TV, votre web télé qui vous informe. Pour cette nouvelle année 2024, je voudrais, au nom d'homme de l'ensemble des jeunes de notre région et à mon nom propre, souhaiter nos voeux de santé, de succès et de prospérité à l'ensemble des autorités administratives de notre région, à commencer par Monsieur le gouverneur et l'ensemble des corps policiers. Ensuite, à l'ensemble des autorités coutumières et religieuses. Je voudrais également rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité et à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie. Je vais profiter également de cette nouvelle année pour saluer et encourager la résilience des personnes déplacées internes et solliciter à l'ensemble des jeunes d'être solidaires avec ces personnes déplacées internes. Je saisis donc l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des jeunes de notre région de se mettre dans la dynamique de la conquête, de la reconquête du territoire national enclenché par les autorités de la transition. Mon vœu le plus ardent est que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. Alors, vous savez, 2023 a été une année très difficile pour notre pays. Et l'objectif était justement cette lutte acharnée contre les terroristes. La lutte n'est pas encore finie, ce qui veut dire que l'objectif reste le même, et véritablement poursuivre la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Le message que j'ai à l'endroit donc des jeunes de notre région, c'est d'abord les féliciter pour leur engagement aux côtés donc des forces de défense et de sécurité dans la dynamique donc de la lutte contre la sécurité, et c'est de les appeler à poursuivre dans cette dynamique. Et comme vous le savez, la lutte n'est pas encore achevée, et donc l'appel est de demander à tous les jeunes de ne pas baisser les bras, de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, de collaborer avec les volontaires pour la défense de la patrie, soutenir les autorités de la transition afin que nous puissions, à la fin donc de l'année 2024, booster donc le terrorisme hors de notre territoire.